Arrête, j'ai dit qu'ils ont cru que c'était un truc de sextoy, le jardin secret, mon Dieu. Nous sommes une activité de fleuriste. Nous vendons des fleurs coupées, des bouquets, des compositions, des plantes. Et nous nous déplaçons également en maison de retraite et centre aéré pour des ateliers d'art floral. Non, pas du tout. Oui, un petit peu quand même. Ça m'a traversé l'esprit et voilà. Alors, c'est un peu à cause de moi. On s'est rencontrés sur un lieu de travail. Ça a swingé direct et on s'est dit, on se lance. Et on s'est lancé. Aujourd'hui, on a deux boutiques à notre nom. Alors, pour créer, on a poussé une porte un jour qui s'appelle Ladi. On a rencontré un grand monsieur qui s'appelle Nicolas et qui, grâce à lui... On est là aujourd'hui parce que sans lui, on ne serait pas là. Et ça. À chaque évolution de l'entreprise, on l'appelle et il est toujours présent. Voilà. Merci Nicolas. Merci de Nicolas. Ladi. Persévérante, dynamique. Et assez folle. Le plus dur, c'est savoir passer le cap. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Foncez, n'hésitez pas, allez-y. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Tout à gagner. Faut y aller, faut se lancer, et puis ne pas avoir peur, et puis on n'a qu'une vie. Et avoir confiance surtout. Ayez confiance en vous, mesdames.